Plus question de mensonges, de troubles à Bolongo, la jeunesse a découvert la réalité avec les partis au pouvoir UDOPES dans plusieurs cellules et fondations. Et maintenant, c'est parti à rafler plusieurs sièges dans la circonscription électorale de Mweka. Plus de précisions avec ma famille Ngashanga. Il était 6h, heure locale, que la jeunesse de Bolongo s'est tenue debout pour se sensibiliser tout en chantant Antoine Bouchabou, notre candidat, notre leader, le numéro 118 et notre numéro. Voilà ce qui précise réellement que l'élection du président de la République, Antoine Bouchabou, comme candidat député national, et leur candidat provincial, notamment le numéro 245, numéro 244, 243, sont leurs candidats préférés parce que c'est nous-mêmes qui avons voulu de ces élections. Nous avions voulu de ces candidats. Voilà, nous sommes très mobilisés, ce qui prouve réellement que la jeunesse de Bolongo n'est plus dans des nocturnes, non? Parce que les temps où nous étions en nocturne, tout le monde nous amenait l'alcool. Tout le monde amenait 2000, 3000. Mais la politique de l'UDOPES est très différente. Et ce que nous avions compris, que c'est là où se trouve la vérité. Le numéro 20, Fatou Beton, n'est pas à l'esquitter. Si tu ne vas pas élire ce numéro 20 pour Kassayen, c'est comme si Dieu va te maudire. Hein? Nous, la jeunesse de Bolongo, nous sommes debout. Nous devons réellement faire tout ce qu'il faut faire. Tout a été marqué par la présence de Mama Solution, dit Céline Bahot, dans cette cité à 14h, où une réunion de grande envergure a été tenue, réunissant toutes les fondations et cellules de plusieurs candidats députés provinciaux, notamment Maître Dieudonné Pierre Méthode-Côte. Sa fondation a été représentée, la fondation Dieudonné Pierre Méthode-Côte, avec sa mention 245, notre numéro. Gaston Dodo Pima était au rendez-vous, le 244. Christophe Moulaya était au rendez-vous, le 243. Tous réunis derrière Antoine Bouchabou-Bopé. Personne ne se peut de cette population et dire le contraire. La personne de marque au cours de cette réunion était CCT Zerbo Minashana. A éclairé la lanterne pour dire à cette population non. Construire une maison sans l'achever, c'est détruire. Nous ne sommes pas les hommes aux maisons inachevées. Nous avons tous les projets achevés. Et ce qu'il faut dire, que nous, on ne prend jamais l'engagement, je ferai ceci pour ne pas le faire, mais nous, on regarde et on pose l'acte lorsqu'il suffit de le poser. Tous les rendez-vous jour ont été respectés par cette délégation, notamment celle de l'association Kachanami réunissant les Babine Bankous dans le territoire de Mweka, qui la présidence est souvent dans les mains de M. Jacob Mbangala, a accueilli réellement cette délégation avec enthousiasme et a présenté réellement les soucis, leur engagement de soutenir le numéro 118, madame épouse du ministre en charge de l'éducation, tourisme et promotion culturelle. Le CT Kizerbo a pris la parole après son discours pour éclairer réellement les grands soucis qu'a le 118